Alors, passage au vent du véhicule, donc MG4 Luxury, version 204 chevaux. On va passer au banc, savoir si le constructeur, il dit vrai ou pas sur la puissance. Et puis en même temps, on va savoir quelles sont les puissances sur les différents modes de conduite. Allez, c'est parti. Là, on part sur une préparation avec les sangles, etc. Et puis après, je vous fais tout ça en direct live. Alors voilà, il accroche la voiture quand même. C'est juste histoire de la stabiliser pour éviter tout souci de sécurité. Voilà. Donc il accroche bien à la voiture. Devant, c'est pareil. Regardez. Voilà, donc là, il a mis deux sangles de chaque côté pour faire la contrainte. Le refroidisseur, donc il va le mettre quand même malgré que ça soit un véhicule électrique, 100% électrique. Voilà, et puis donc ici, on va avoir les informations, les résultats. Alors, j'ai un peu le reflet, mais il va me imprimer en fait les documents. Et je vous mettrai ça en ligne, bien sûr. Donc, on va faire sur les différents modes de conduite. Donc, économique, normal et sport. Et après, si on a le temps, on fera même sur le mode neige. Voilà. Donc comme ça, on va savoir la puissance, le couple, tout. Alors, premier essai. Donc l'avantage, c'est que y a aucun bruit, hein, vous voyez. Pas de gaz d'échappement non plus. Donc ça change la vie aussi au préparateur. Et vous voyez, la voiture, elle bouge, elle tremble. Voilà, et ça c'est ce qu'elle me fait de temps en temps quand je roule. Les clignotants là. Donc là, je m'approche de l'écran. Là, on est en tour minute, on est à 3000 tours. Et il était dans les 80 km/h. Passage de la deuxième, a priori. Normal, ouais, c'est ça. On va rechanger la prise de valeur. Alors après, pour changer le mode de conduite, c'est l'étoile qui est en bas à gauche du volant. Voilà, tu appuies là et au niveau de l'écran, tu auras le mode de conduite, tu sélectionneras après. Ouais. Mais là, je vais voir déjà ce qu'on a relevé. Vas-y. Et je pense changer la méthode d'acquisition. Ah bon? Ouais, parce que là, il y a ça, tu sais, ça donne un coup. Ouais. C'est pas bon, c'est pas les bonnes valeurs. Je pars, en fait, il faut que je prenne, les chevaux plus loin, faut que jusqu'à 10 000 tours au moins. Ouais, parce que tout à l'heure, je l'ai vu monter à 8 000. Ouais, mais ça s'est coupé. Donc, faut que je prenne jusqu'à 10 000, et par contre, faut que je prenne le début d'acquisition vers 3 000. Tu vois? D'accord. T'as compris? Ok, ouais, j'ai pigé. Et là, après, on va prendre une belle courbe, parce que là, 1005, c'est bloqué. Vous voyez, c'est tout est personnalisable, on peut tout régler comme il veut et il va nous faire ça aux petits oignons, vous verrez après les graphiques, hein, qu'il va nous imprimer.
ça va le faire. Ça va se recalibrer. Voilà, et on va être tout bon. Du coup, je suis à l'intérieur du véhicule et on va enlever tous les aides à la conduite. Voilà, on va tout désactiver. Vibration, ouais, ça on s'en fout. Système de conduite, ça on s'en fout. Les anglements, on s'en fout. Ouais, mais ça change rien en fait à la conduite. D'accord. Et tout ça, c'est. Oui, déjà, ça m'a enlevé un, 2-3 trucs. Ouais, parce que là-bas, oui, mais comme la voiture, elle est sur du statique. T'auras assez de batterie pour rentrer, 29%. Il y a combien là ? 29%. Oui, ouais. C'est bon, 82 km, ouais, c'est bon. Avertisseur de somnolent, ça on le désactive aussi. Et reconnaissance des signalisations, ça changera rien. Et ça, on désactive. Voilà, on a tout désactivé. Maintenant, les modes de conduite, là, on est. Donc, tu veux mettre sur quoi là ? Là, on va faire éco. D'accord. On va refaire 3 tirs. On va refaire en éco, normal et sport. Ok. D'accord. Bah, vas-y, c'est quand tu veux. Alors. Donc là, il me demande d'accélérer. On va attendre qu'elle passe la deuxième. D'accord. C'est pour ça que j'attends dans les 70 km/h pour mettre pied dedans. 70-80 ouais, à peu près. C'est ça. Et c'est pour ça que je mets à 70, t'as un petit tacou parce qu'il passe la seconde. Ouais, mais quand même, attention. Bon, là, c'est la ceinture. Ah oui, c'est. Alors, tac, je mets la ceinture. Non, il n'y a pas la peine. Ouais, okay. J'attends. L'iBip, c'est sur la. Sur ma ceinture. Ouais. C'est pour ça que ça donne un pic là-haut. Donc là, on est en écho. Donc là, on voit qu'elle a refroidi parce qu'elle reprend un peu de chevaux là. Tu vois rien. Elle est bien en écho. Ouais. Non, elle me dit si j'arrive pas à filmer l'écran. En tout cas, la courbe, elle monte bien. Là, elle va bloquer. On est à 170. Voilà. Donc compteur. Là, elle redescend. Voilà. Je peux lâcher. On met en autre et on prend les pertes. C'est là que ça calcule les pertes. D'accord. Ce qu'on perd avec la puissance, avec le roulage du véhicule. D'accord. Le poids qu'il fait et ainsi de suite. En neutre. Parce que dès que je me remets en B, comme tu as le frein, hop, elle freine toute seule. Ouais, comme ouais. Tu me disais. Tout à fait. Donc là, on va repartir en normal. Voilà, donc vous avez vu hein, la manipulation sur les trois. Là, c'est le vrai test de puissance. Et c'est parti. En mode normal, vous voyez, on est bien sélectionné. Voilà, et là, non, sur mon écran, j'arrive pas à voir la courbe. Thank you.
petit peu qui refroidissent. Ouais, pour faire le sport. Sport, allez go. Ah, ça y est, ça roule déjà. Et là, passage de la vitesse. Un peu plus. Sur le papier, il y a un peu plus. Ouais, ah oui, on dirait, ouais. Mais regarde. Mais après, c'est... Elle s'écrase et elle dépasse pas les chevaux. Ouais. En fait, elle est bridée. Temps de réactivité les plus rapides. Ouais. On a les chevaux plus tôt. Mais la puissance max, elle n'est pas débridée. On a les chevaux un peu plus tôt. Le couple, il doit être pareil, mais les chevaux viennent un peu plus tôt. Mais arrivé à son chevaux max, là, tu le vois en haut de la cour. Ouais. Paf, elle il se casse. Coupé, ouais. Ouais. Et à 170 km/h, il coupe tout. Ouais, parce qu'elle est donnée pour 160 normalement. Voilà. Alors, c'est 170 compteur. Ouais, ouais, ça donc. 160 ouais, réel, ouais. Donc voilà, pour, je pense que pour mon taf, on est bon. On va avoir trois belles courbes, les trois dernières, là, elles sont belles. On va aller effacer les autres, on va voir ce que ça donne. Ouais, pas de souci. Bon, bah voilà, je vous fais donc une récap de tout ça en vidéo et. Comme ça, on saura à peu près ce que c'est, mais d'après ce qu'on pense, c'est plutôt du bridage électronique. Et puis, bon, bah, les 160, c'est pour en fait faire en sorte que la batterie, elle ne s'use pas, parce que si vous êtes à 160, automatiquement, la batterie va se vider en une vitesse grand V. Et les axels, on les voit, hein, elle est à 23% la batterie. Voilà, alors que quand tu l'as attaqué, il restait combien ? 30 et quelques ou 40 presque. Voilà, c'est ça. Donc, ça a bien baissé, hein, mine après, de rien. On a fait 12 tirs. Ouais. Donc, 12 accélérations quasiment de 0 à 170. Oui, ça consomme, voilà. On peut pas se mettre. Voilà, donc bah, on va voir ça et je vous mets tout ça en vidéo. Alors, le test est terminé. Juste pour info, donc les pneus, c'est des Continental, donc des Premium Contact. Eh ben, ils chauffent. Là, je pose la main, il fait un peu froid dehors. Eh ben, mine de rien, ça peut chauffer les mains, hein, si jamais vous avez froid. Donc, parce que c'est une propulsion. Hein. Donc, je vais à l'avant pour voir si... Pareil, ouais, c'est un petit peu moins, mais voilà. Donc les pneus, ils chauffent sur les Continental, alors que sur les Michelin, j'avais pas ce ressenti-là. Voilà. En termes de puissance, on est bon. Toutes les courbes sont sur cette vidéo. Je vous laisse regarder, donc il y a eu les trois tirs, donc le mode éco, le mode normal, le mode sport, sur lequel il y a eu tiré à pleine puissance, donc au compteur 170 km/h, en réel 160, et puis une puissance que vous constaterez par vous-même, et puis si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Voilà, donc il me reste que 19% d'autonomie, soit une 39 km, donc j'espère que j'aurai assez, donc je vais le mettre en mode éco, voilà, et j'aurai assez pour pouvoir rentrer. Voilà, donc bon, là, ah oui, j'ai mis à 33 degrés ici parce que j'ai à peine un semblant d'une vingtaine de degrés. Voilà, donc ça, c'était un problème que je vous avais signalé. Comme on était enfermé, on a 16 degrés, mais sinon à l'extérieur, on n'a même pas 10.
Voilà, et puis on a fait donc tous les modes de conduite, on les a fait sauf la neige, hein, ça sert à rien. Mais on a fait donc éco, normal et sport, voilà. Alors, vous avez vu les passages au banc, donc voici le résultat. Donc, il faut savoir que, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, le bleu c'est économique, le rouge c'est le normal, et le vert c'est le sport. En fait, on pourrait presque superposer toutes les lignes. Elles ont pratiquement la même courbe à un moment donné, c'est-à-dire entre 4000 et 6000 tours à peu près, on va dire. En gros, c'est aux environs des 100 km/h à 145. Là, la courbe, elle est à peu près identique, quel que soit le mode. Voilà, et pour la récupération d'énergie, c'est à peu près pareil aussi. Voilà, donc ici, on a les différentes puissances. Éco, 187, donc on va dire 188 chevaux. En normal, bah, toujours 188. Et en sport, on a 189. Voilà, et au niveau du couple, on a du 241. En éco, en normal on a 240 et en sport on a 250. Voilà. Donc à savoir que c'est le couple maximum qui a été mesuré et puis la puissance maximale. Donc c'est-à-dire quelle que soit la courbe ici, bah en fait on a ni plus ni moins bah la puissance, enfin oui la puissance dans le couple et en puissance moteur, bah c'est ce qui a été mesuré. Donc il y a eu plusieurs passages, voilà, donc à chaque fois deux passages pour chaque mode, à chaque fois on a attendu un quart d'heure pour laisser aussi le moteur se reposer, etc. On s'est dit, on fait les choses correctement, et on comme ça on a la même référence, que ça soit pour l'éco, normal et sport, comme ça on sera tranquille. Donc ça a duré pas mal de temps au niveau du test, mais au moins on a des mesures qui sont homogènes. Voilà, parce qu'il peut y avoir aussi le fait que les batteries, elles soient un petit peu plus chaudes et du coup, bah, ça perd aussi en efficacité, ou inversement, que ça soit beaucoup plus efficace quand les batteries sont très chaudes. Donc voilà, tout a été fait. Donc c'est un professionnel, hein, il fait ça, donc il fait aussi des bandes de mesure pour les Tesla, entre autres. Donc voilà. Au niveau puissance, bah c'est marqué 204 chevaux sur le site internet. Là en gros, on a 190 chevaux, donc il y a 15 chevaux de moins. Alors après, comme on dit très souvent, c'est suivant le banc de passage, il peut y avoir une variante d'environ. La marge est d'environ 5 km/h, donc ce qui voudrait dire qu'on aurait à peu près du 195, allez, pour être optimiste, 200 chevaux. Bon, il manquerait 9, bon, c'est pas dramatique. Après, honnêtement, c'est pas pour faire un procès d'intention auprès de MG ou autre, c'est voilà, c'était pour le petit délire, savoir ce que ça valait éventuellement sur un banc une voiture électrique, et puis surtout voir la courbe à quoi ça correspond. Et en fait, il faut savoir que le passage à la première, il y a énormément de couple et de puissance, et après il y a un à-coup au niveau du passage de la deuxième, et c'est pour ça que lui il a pu faire que la mesure après le passage de la deuxième vitesse, parce que l'à-coup il était tellement important que ça pouvait endommager le banc de puissance. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez pas la courbe qui démarre à zéro, hein. Voilà. Bon bah, si vous avez des questions ou autre, n'hésitez pas sur la page sur notre chaîne YouTube Basvel Auto Service, mais vous avez aussi la page Facebook du fan club MG Motor FR qui est disponible. N'hésitez pas à vous y inscrire et puis à nous rejoindre. Donc si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, mais surtout à vous abonner pour les prochaines autres vidéos. Sur ce, bonne journée.